Dans ce prochain segment, on va maintenant voir comment on insère la torsade. Voici le modèle. J'ai changé de couleur parce que je suis rendue plus avancée dans cette tuque-ci, dans cette réglisse-ci. Et on va installer les torsades. Vous avez fait le dernier rang que vous venez de faire, c'est le rang de mise en place avec trois mailles en droit, une maille envers, tout le tour. Quand on dit tout le tour, c'est quand on revient à notre marqueur. Pour celles qui tricotent sur des aiguilles circulaires, je le recommande fortement. Ou bien c'est quand on réarrive là où est-ce que notre fil de départ a été est commencé, là, où est-ce qu'il sort, là, vis-à-vis cette rangée-là de mailles. Pour celles qui tricotent sur des aiguilles double pointe, c'est la même chose. On termine au bout de notre marqueur, on a fait notre rang de mise en place, trois endroits, une envers, tout le tour. Et puis quand on est arrivé à la dernière, on devrait avoir terminé par une maille envers. Je voulais vous dire dans le dernier segment, puis je l'ai oublié, c'est toujours bon de compter nos mailles à l'occasion pour s'assurer qu'on n'en a pas perdu, qu'on n'en a pas ajouté trop, surtout qu'on a fait un rang d'augmentation, juste le rang d'avant. Donc, c'est bien de compter les mailles puis de voir à combien de mailles on est rendu. Puis le patron nous indique aussi à combien de mailles on devrait avoir à chaque fois qu'on a fait ou bien des augmentations ou bien des diminutions. Donc, ça vous donne les indications supplémentaires puis des repères justement pour diminuer, minimiser les erreurs là, dans le patron. Puis ça peut arriver qu'on ait fait quatre mailles en droit au lieu d'en faire trois. Donc quand ça arrive comme ça, ben notre pattern, notre motif, notre patron ne correspond plus. On n'arrive plus avec une maille envers à la fin. Donc ça, c'est une petite chose que je voulais mentionner. Moi, mon patron est installé. J'ai déjà un premier rang. Excusez-moi. J'ai déjà un premier rang qui présente les torsades. Donc, vous êtes rendu à ce premier rang-là. Donc, quand on fait des torsades, ben, on a besoin d'une aiguille à torsade parce que ça nous permet de déposer notre maille en attente pour la faire traverser après ça puis la tricoter un petit peu plus tard. C'est ça le principe d'une torsade. Donc, le patron dit, quand on arrive au rang de torsade, de prendre une maille en attente sur notre aiguille à torsade. Donc, me voici, c'est ce que je fais. Je prends mon aiguille à torsade et je prends la première maille de mon aiguille que je veux, des mailles que je veux tricoter sur mon aiguille, et je la mets en attente sur le devant de l'ouvrage. Donc, elle est en avant. On demande ensuite, il se passe beaucoup de choses là. On a plusieurs aiguilles. On est rendu à cinq aiguilles, mine de rien. Et on tricote les deux suivantes à l'endroit. Donc, une. Ensuite, on demande tricoter la maille en attente. La maille en attente était une maille en droit. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je la tricote directement à partir de mon aiguille à torsade, mais certaines vont préférer reprendre cette maille-là et la redéposer sur leur aiguille à tricoter. Mais je vous montre à partir de l'aiguille à torsade, je tricote la suivante, comme ça. Et c'est un peu serré, c'est normal, parce que cette maille-là était complètement à gauche, à droite, puis là, on vient de la faire voyager à gauche et on la laisse tomber. Donc, on voit qu'elle était à droite, puis elle est rendue à gauche. Le patron indique ensuite de faire une maille envers. Voilà. On repasse le fil derrière et à nouveau, prendre une maille en attente sur l'aiguille à torsade devant l'ouvrage. Bien important, devant. Tricoter deux à l'endroit. Une, deux. Tiens, laissez-moi vous montrer quand on redépose l'aiguille, la maille sur l'aiguille à tricoter. Tricoter la maille qui était en attente.
et tricoter une envers. Et ensuite, trois endroits. Un envers. Et continuer comme ça tout le tour du rang. Donc, je le fais une troisième et dernière fois avec mon aiguille à torsade avant de vous laisser aller puis faire vos torsades sur votre rang de torsade. Une maille en attente sur l'aiguille à torsade devant l'ouvrage. Tricoter. Deux endroits. Tricoter la maille en attente. On vient de faire notre torsade. Et une envers. Donc voilà, vous pouvez installer vos torsades sur votre travail de tricot. Vous allez terminer par trois endroits, une envers, à la fin de la dernière aiguille. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va faire un rang de torsade, un premier motif de torsade, un deuxième motif de torsade et finalement une côte plate que j'appelle mon silence dans le cas de la tuque ici. Donc, torsade, torsade, silence. Vous faites ça tout le tour. Puis, toute cette portion-là de la tuque là, se tricote là, sur le motif de 4 rangs de torsade, c'est-à-dire que vous avez un rang de torsade et trois rangs de trois endroits et une envers. Un rang de torsade, trois rangs de trois endroits, une envers. Vous continuez ça le nombre de fois que le patron vous le demande, donc 6, 7, peut-être même 5 fois, ça dépend de la grandeur du modèle. Puis après ça, on va tomber dans les diminutions. Fait que dans les prochains segments, je vous montre comment faire des diminutions dans le cas de la tuque réglisse. On va avoir des diminutions sous les torsades qui vont être des surjets. Puis dans les silences aussi, on va avoir des diminutions qui vont être deux mailles ensemble. Donc, je vous montre les deux techniques. Le surjet en dessous d'une torsade, puis les deux mailles ensemble. Et avec ce dernier segment-là, vous allez être capable de terminer votre réglisse.